L'aventure continue sur ce Palworld, tout simplement. Alors du coup, l'objectif, c'est aller découvrir... C'est aller découvrir l'île, la troisième île, donc. Des boss, on va dire ça comme ça. Je sais pas comment il y a un nom particulier pour l'île des boss. Qu'est-ce que j'ai comme... Pourquoi j'ai cette... Ah oui, mais j'avais fait des miniatures, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors ça, on vire. Reptiro, on pourrait le mettre ailleurs. Hein. Il est pas censé être ailleurs, Reptiro. Il ferme, lui. Il ferme pas mal, même. Attendez, où est-ce qu'on est, là? On est là. Il y a encore besoin, là-bas? Fais un écoulement, Grisbot et Relaxorus, pas luxe. Autant en faire 10. Ça marche. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a plus de charbon. Hein. Faudrait qu'on TP la zone. Faudrait qu'on TP la zone pour aller chercher du quartz. Améliorer le camp. Pourquoi? Coffre en métal. En fait, il faudrait qu'on fasse ce coffre en métal, là. Faudrait qu'on fasse ce coffre en métal parce qu'apparemment il y a au moins 4 camps et ce serait bien d'aller le débloquer. Je vais trop aller chercher l'essence. C'est pour du recrutement. Coffre en métal raffiné. Alors, comment est-ce qu'on fabrique ça? Faut du métal raffiné. Métal raffiné, on en a pas. Mais on doit. Ah si, on en a peut-être un peu maintenant. Coffre en métal raffiné. Ah, c'est level 39, donc il faut qu'on XP. Ça marche. Il faut qu'on XP. Je vais remercier toi et vous. Ben, je vais bien, merci beaucoup de là. Il y a plein de boss à faire. Il y a beaucoup de boss, mais qui sont à un niveau un peu élevé. Gâteau, on en a 8, on va attendre d'en avoir 9. Et là, on va vérifier, on est pas mal. On pourrait se lancer un peu de charbon de bois. Ça fait toujours plaisir d'en avoir. On a 8500 de bois. On peut se le permettre. Bonsoir la peste, comment vas-tu? On est attaqué! Ouais, c'est bon, ça va gérer. J'en fais 1000. Ça leur fait du boulot. Avec 1000, on en aura pour un petit moment. On est attaqué par qui? C'est le moment d'envoyer Ragnarok. Alors, flèche de feu. Tempête ardente. Ok, c'est pas mal les dégâts. Encore un petit flèche de feu. Oh bah, ça a tué le pauvre là-bas, il a pris un coup, il était pas prévu. Et ici on a une petite partie qui est là. On va mettre leur petite tornade. Mais je mets des dégâts à ma propre base en fait. Ah, ils ont arrêté. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe. On est en train de se faire attaquer là? Oui, oui, effectivement, vous êtes en train de nous faire attaquer. Il est pas mal le petit Ragnarok. 35 là. Pas dégueu hein. Pas dégueu le petit pépère. Hein. Tu l'as Ragnarok. Ouais, on l'a eu Ragnarok. Les vidéos sont sorties hein, sur YouTube si jamais. Vous pouvez voir le replay. Y a pas de problème. On était en train de farmer quelque chose là-bas ou pas? On va aller voir sur l'île. Ah mais c'est vrai qu'on a le fusil d'assaut mais moisi. En vrai, il est pas moisi, c'est trop bien. J'aime bien ces armes là en plus. Comment ils s'appellent déjà les armes Les armes de cowboy là? La Winston? Pas du tout. Il y a un truc comme ça. J'aime bien. J'aime bien. J'avais perdu toutes mes sphères de palme, si c'est vrai. Et en termes de. Ah ouais, les œufs! T'as retrouvé tes sphères bleues? Bah, je les ai pas cherchées, mais à mon avis, elles sont quelque part. Hein. J'ai dû les ranger involontairement. Peut-être à la limite sur une base qu'on a TP. Mais j'ai regardé là-bas. J'ai peut-être pas regardé ici. Alors que potentiellement, il peut y en avoir. On va profiter pour prendre les œufs. J'ai pris quoi là? Ah oui, j'ai du polymère. J'ai pris de la laine qui nous sert pas à grand. On va prendre le tissu de qualité. Non, ouais, j'avais rien. Je sais pas où elle est passée. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Hein. Ce sont des choses qui arrivent. Elles sont dans le coffre près de la Syrie sur ta. Oh merci. Oh
Oh merci beaucoup. Incroyable. Vous l'attaquez? Et il nous attaque. Personne. Qu'est-ce que tu vois là-haut, Azurob? Jeune tour de gay. C'est café. Ok. Il faut qu'on se refasse notre petite équipe du coup. Tac. Hop. Hop. Attends, c'est le bon là ou c'est pas le bon? Féroce. C'est pété. Et Anubis, voilà, on laisse Anubis ici. On sait pas en fait si on prend Anubis. On sait pas. En vrai, Lunaris il fait un peu doublon. Lunaris il fait doublon. Il est sympa Lunaris, mais. On n'a pas de terre. Enfin, si, mais avec une seule attaque ici avec Ragnarok, mais ça va vite bouger. J'ai joué les détectives. Oh bah merci beaucoup, incroyable la peste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais faire? Bah rien en fait. Ah si, ranger. Ah puis les œufs aussi. Ouais, ouais. Attends. Tac. Je vais ranger le polymère qui est là aussi. Je vais ranger le tissu de qualité qui est là. On peut jeter comme ça? On peut pas jeter comme ça? On va jeter ça comme ça. Et bonsoir Franzini, comment vas-tu? C'est ça que je veux. Avec les champions. Ok. Ensuite. Bon après j'ai pas. Du coup j'ai pas joué de mon côté pour faire des rangements. Il devra être fait. Le reste on est pas mal. On a un gros œuf chaud qu'on va garder pour l'instant. De toute façon on va les mettre. Donc, on va vérifier les œufs et du coup on va aller sur la dernière île. La dernière île, je sais plus où elle est. Mais elle est pas loin. Enfin, en tout cas, elle est pas loin d'un endroit où on peut aller. 40 minutes pour un gros œuf. J'ai fait un accouplement de malade sur Palworld. C'est vrai? Ah, je veux pas savoir. Bah si, mais non. Si, mais non, parce que... J'ai pas encore tout découvert. Une fois que j'aurai découvert toutes les espèces, c'est pas gênant. Ah, mais c'est... Ah, mais non, c'est... Alors, on est parti. Voyage rapide. Du coup, il y avait une île qui était là, une qui était là, et l'autre, on l'a vu quelque part. Je sais plus où est-ce qu'on l'a vu, mais il me semble que c'était pas ici. Non? Il me semble que c'était pas ici. Moi, ce que je propose, c'est qu'on se tépe là, et on va regarder un petit peu en hauteur si on voit l'autre île. La troisième. Pardon, la troisième. Ragnarok, permets-moi de monter sur ton dos. De prendre un peu de hauteur. Alors, bon, là-bas dans le nord, il n'y a pas. Ah, bah voilà, bah, c'est ce que je dis. Eh ben, on est parti. On va longer la côte. Histoire de voir si on découvre des bébêtes. Oh, ah bah on l'a déjà. C'est nul que l'on peut pas aller sur l'arbre. Non, pour l'instant, hein. Eh, c'est une démo. On rappelle que c'est une démo. Petit œuf. Clicton. Il veut nous attaquer sous Aku là? Quoique. On a son. Non, 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 en fait, non! Non, est-ce que t'es à un niveau très faible? Ah, les gars sont pas folichons. On s'en va, on s'en va! Wouhou! Ok. Alors, est-ce qu'on a quelque chose ici? Une sphère de palette. Oh, pas mal. Deux comme ça. Dictoise, level 36, c'est costaud. Plus un 37 ici. Pas mal. Très très bien. Ici, c'est une zone qu'on n'a pas explorée. Hein. Après, j'aimerais bien découvrir... Qu'est-ce que c'est? Des Surfanteras. Oh les Surfanteras, on va tenter de les capturer. Oh les dégâts qu'on a mis! On va peut-être tuer un. On va tuer un.
Je vais attendre un peu. Il est pas mort. Ah, parfait, il est pas mort. Est-ce que les bleus passent? Les bleus, ça passe. Oh, il est mort! Putain, il est sorti, il s'est fait tuer par son pote. Tente. Surfant, il pourrait avoir une allure stylée, mais ils l'ont pas fait stylé, je trouve. Salut énergétique, comment vas-tu? C'est le désert là. Ouais, ouais, on est en désert. Parfait, nouvelle espèce. Sa forme profilée est adaptée aux activités sur sable et souvent capturée par les braconniers pour être substituée aux planches de surf. Perdre la fluide de pâle, d'accord, ok. C'est assez étonnant. Des braconniers, broyeurs, tireurs et des machins. Ça ne nous intéresse pas. Et pourquoi braconniers? Ce qu'on veut, c'est aller sur l'île. Mais ça m'aurait arrangé si jamais je décède d'avoir un truc de TP à côté. Parce que bon. Bon, Angu, on l'a. Et je vois pas de. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Beacon! Incroyable! Première fois qu'on le croise à l'état sauvage. On avait trouvé son œuf. Extraordinaire! Est-ce que toi, ton attaque de boule de feu est allée dans la balle? Ah, ouais, peut-être, effectivement. Oh! Toi, le braconnier broyeur, effectivement, il est. Oh la vache! Ah! Cachez-vous dans les arbres! Oh, on est coincé! Bah ouais, on est un piaf avec en même temps. Je vais tenter de l'attaquer. Oh, il m'a empêché de l'attaquer. Ok, il a pris feu, c'est quand même. C'est déjà une bonne chose, t'as Ragnar qui prend cher! Espèce de chacal! Je vais mettre une balle. Reviens. Le problème c'est que j'ai pas une très grosse puissance. Pas mal cette petite balle là. Hop, il est plus. Oh, il est remonté. Fais plaisir mon petit remonté. Voilà. Et boum, il meurt. Qu'est-ce qu'ils veulent? Mec, il est au bazooka quoi. Un brûlant hein. Je sais que ces histoires. Putain, mais j'ai pas d'armes. Les armes sont pas équipées. Mon arc. Bien joué, mon petit Yormounted. On va s'occuper du broyeur là-bas. Oh, bah, il est bien joué le tir à côté. Peut-être lâcher les armes, enfin des munitions intéressantes. Oh là là, bien joué, Yormounted. Je le capture! Ah, j'ai tenté, parce qu'il était costaud en vrai. Lui, tu l'as dans ton équipe, t'es content. Hein. Tiens, dis-toi ce qu'il veut se battre. Alors, doucement, mon petit pépère. Mais on y va. Sois pas trop agressif. Avec ton attaque haut, j'ai essayé de le capturer. Ouais? Oh, ça va, ouais, tu peux y aller. Bonsoir, Glemsar, comment vas-tu? Tu as joué à Red Dead. Red Dead le 1, je l'ai fait de mon côté. Parce que c'était vieux. Et le 2, il est mort. Ça parle? Ça va. Et le 2, on l'avait commencé en live. Et en vidéo. Mais pas fini. Toujours Yamoutine, il s'est capturé, ouais. Bon bah j'ai changé, je voulais changer d'arme et je pensais que... C'est pas, il est mort. Il est mort. Waouh, le kick!
Il part tout seul sur le côté droit. Avec Bowser. Bon, du coup, il nous faut un petit point de TP. Kong, Godzilla, non, je n'irai pas le voir parce que j'ai pas vu. Enfin, si, j'ai dû voir. L'un des précédents. Il n'y a pas un TP. Serfantera, bon, on en a eu. Il n'y a pas de TP là. Je l'ai fini avant-hier à 100%. Enfin, punaise, que c'est galère le boss final. C'est vrai? Trop hâte de voir. Trop hâte de voir. Gros œuf ordinaire. Écoutez, il n'y a pas de TP et c'est un peu embêtant parce qu'il va faire nuit. Très embêtant même s'il va faire nuit. Ouais, bah écoutez, bonne journée. Hein. C'est un plaisir de vous avoir rencontré, les gars. Oh, les B-code. C'est étonnant parce qu'au final, B-code, il est à un niveau clairement au-dessus par rapport à Ragnarok. Et pourtant, Ragnarok vole plus vite. Ça veut dire que B-code est plus fort? Je ne sais pas. Je vais longer là-bas pour... Ah bah là-bas, il est là-bas. Parfait, on l'a vu. Salut Sleven, comment vas-tu? Yormunti d'Ignis, on va voir si, si on croise là sur l'île. On tentera peut-être de le capturer. On va recharger d'ailleurs. Il est pas mal, hein, petit Ragnarok, j'aime beaucoup. Et salut Indoraptor, comment vas-tu? À faire un petit peu frisquer, on va aller dormir comme ça la nuit est passée. Il y a 20% sur les espèces inondées que sur Jurassic World, le jeu. Merci beaucoup, Kiru Kiru. C'est plus les espèces de base qui m'intéressent pour le coup. Faire dodo. Je joue plus à City Skyline, j'ai pas le temps souvent. Ok. Début de nuit un peu fraîche, mais la suite de la nuit était plutôt très agréable. On va pouvoir directement retourner à notre objectif. Azurob, tout va bien? Bon, je te descends, Azurob. Je descends parce qu'il y a un moment, il y a d'autres choses à faire que de rester à regarder devant. Voyage rapide. Ah. On est parti. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on va croiser? Il nous manque plus grand-chose, hein, de toute façon, en espèce inconnue, donc... voire même rien, en fait. À part des légendaires. Et après, on fouillera du coup le vrai désert, quoi. Il doit y avoir des boss dans le coin. Ça va être intéressant à découvrir. J'ai hâte de voir aussi le niveau de, des espèces qui sont là. C'est assez rapide. C'est pas très loin. Faut que, alors si je vole, il faut pas faire, faut pas que je me fasse repérer. Sinon c'est chiant. Troisième zone sauvage. Alors, première espèce qu'on va croiser. Un bouchy, ok. Une maîtrise canon à l'air, pardon. Bushi level 43. Oui, le niveau est un peu élevé. On ramasse des fleurs parce que ça permet de faire des parterres. Orsec!
Oh, incroyable! Oh, bah, lui, il est dans la poche. Hein. Je vous le dis direct. On va le... Alors, j'ai pas forcément les... Il y a un truc qui vibre. J'ai pas forcément l'équipe pile poil parce que c'est Dragon électrique et Anubis. Shadow Beak! Je connais pas. Oh, putain. On tente de capturer les deux. Allez, c'est parti. T'as pas touché l'autre? Et alors, sec! Viens là, jeune chacal. Oh! Un Cinéram Noct. Stylé, un Cinéram Noct. Ah, je. Attends, il galope. Regarde ça, comment il court! Il est trop stylé. Je suis pas là. Mange-toi une tornade de feu. Tornade de. Ah! Tornade de terre. Oh plus cher! Il a failli nous tuer. On est quasiment décédé. Hein. J'envoie des terres à sphère. Hein. Oui! Empereur orageux et acharné. Putain, mais il est incroyable, mentalement instable et os fragile. Bon. Il est incroyable, mais semi-incroyable. Oh là on est content. Hein. T'as le droit de manger ta petite tartine de confiture. Du lourd. Viens GG à l'autre maintenant. Ouais ouais, ouais alors là on va, à mon avis on va décéder. Hein, parce que j'ai plus de vie. Attends mais ouragan acharné ou je sais pas ce que c'est là. Extraordinaire. J'ai hâte de voir ses stats. Bon lui il va nous exterminer j'ai l'impression. Je sais pas ce qu'il fait là. Mais... Il est en train de boire, manger. Du lourd, hein, grave. Le Ptera Kedja niveau 10 fait 2900 et 480. Merci beaucoup. Dans le temps. Bon, on va. Voilà, on va faire quelque chose. Je vais comme ça. Donc il est sur. Putain, mais il est trop stylé, on dirait un griffon. J'enchaîne tout. J'enchaîne tout, comme ça il se fait enchaîner. What? Mais il est incroyable! Qu'est-ce que c'était que cette attaque? On va revenir avec Orsec. Oh, il est stylé, lui. T'as plus de vie. Ouais, je sais. C'est pour ça que j'y suis allé. Parce que le défi était beau. Oh, attends, fais voir Orsec. Je le veux dans mon équipe. On l'a pas volé, celui-là. Empereur orageux. Les dégâts de type foudre augmentent de 20%. Ah. Acharné les... D'accord. Il est sympa. En combattant à ses côtés, le nombre d'objets obtenus augmente. Si un pal de type... Oh, il est vaincu. Ok! Ah, mais il y a lui aussi, du coup, rentre dedans. Ouais. Et c'est une monture tout à fait classique. Ah, par contre, ici, on va faire ça. Alors, vous savez quoi? On va carrément utiliser la petite technique de son installé là. Parce que pourquoi pas? Vous avez un coup de main, les gars? Voilà, parfait. Hop! Range-lui. Prends là. Range-lui. Là. Parfait. Pas de perte de temps. On est content. Et quel dégaine. Oh, on est beau. On est beau comme un chou-fleur. En mode comique. Il rigole pas. Ouais, il était incroyable. Shadow Pack est l'une des meilleures montures. Et il a l'air surtout incroyable. Au-delà d'une monture exceptionnelle. Où est-ce qu'on avait mis notre armure là? On n'avait pas mis d'armure en stock là? On ne sait plus où est-ce qu'on a rangé. Ça c'est un problème. Il va nous falloir un garde-meuble. Hein. Vêtements en tissu, c'est nul. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se refaire une armure de show. Et on va y retourner. J'ai pas pris Orsec? Ouais, c'est vrai. J'ai pas de lingot de métal. Ah! On va prendre celle-là, tout à fait classique. Ça fera bien l'affaire. Ah, il est soigné, mais pas vie instant. Hop, on est équipé. Oh l'arnaque. Ouais, mais en vrai, s'il faut attendre 10 minutes. Déjà qu'on peut plus jouer beaucoup. S'il faut attendre 10 minutes. Oh, c'est pas mal là. Bientôt... Eh, tout est bientôt prêt. Oh, lui, non.
Je vais récupérer Orsec. Je vire qui aussi parce que j'aime bien ma petite équipe. Suzaku peut-être. Suzaku il est sympa mais il est faible. Mais en même temps il faut qu'on le garde pour XP parce qu'après il y a du combat de feu. Kitsune. Ouais Kitsune il est stylé mais en vrai il nous sert à rien. C'est vrai. Hein. En vrai il nous sert pas à grand chose. C'est une monture sympathique mais... On va le ranger. On va prendre Orsec. Oh. Je vais monter sur son dos. Alors qu'est-ce qu'ils ont eux? Qu'est-ce que c'est? Incubation. Gros œuf chaud. Oh bah pire un oct. Bah j'ai plus rien, j'allais dire, mais il est où mon œuf? C'est normal, il est à la base. Enfin il est sur mon cadavre. On va replacer cela. J'avais pas du tout ce truc. Vu le nombre de fois où je me suis mort au boss final, j'aurais pas attendu, j'aurais fait. Bah moi on me l'a dit dans le chat. C'est une bonne stratégie. Pixel. On va y retourner, ne vous inquiétez pas parce que là tu l'es testé. Mais du coup on va avoir alors c'est qu'on avait déjà vu, ça c'est une nouvelle espèce qu'on n'avait pas vue. Il nous en manque encore peut-être 4. 4 à découvrir. Après vous êtes pour ou contre devoir aller rechercher les équipements? On peut l'enlever ça. C'est-à-dire que si on meurt on garde tout sur nous. Moi je trouve que c'est pas trop un problème. Parce que bon, généralement, t'es mort à un endroit où tu veux aller par là, quoi. Donc, de toute façon, il faut y retourner. Parfait. Ah, il y avait en haut aussi. J'ai désactivé les raids aussi. Je comprends. Surtout que les raids, en vrai, bon, la difficulté est quand même assez inexistante. Allez. On est reparti. Par contre, il va peut-être plus être là, mais il va falloir l'attendre. Je m'en fous, je l'attends. 40 ans si nécessaire, mais on attend. Tant que le monde change. Jacques. Homme de pas le moyen. Mais c'est pareil, en vrai, il faudrait que. Putain, mais en vrai, le jeu est fou. Voilà. Ouais, le jour où. Le jour où il sera. Il y aura des mages et tout. Clairement, c'est pas forcément. Clairement, je retournerai dessus. Et il y a ce côté âme de pâle et tout, où on peut améliorer nos espèces. Alors, pour le coup, à moi, là, de manière dont je joue là actuellement, on ressent que c'est pas forcément nécessaire. Mais c'est vraiment stylé. Hein. J'ai désactivé pour les piquants. L'équipement. Okay. Tu feras un serveur multi. Je pense pas en vrai, parce que tu vois là, là je fais une petite partie multi de mon côté avec mon cousin et mon neveu. On se fait une partie à 3. Et le truc c'est que quand moi je suis pas co, eux peuvent pas accéder à la partie. Incinéram Noct, je sais plus si... Ah, Fanglop on l'a, ouais. Et du coup, ouais... Si je l'ai incinéré à Noct. Je vais regarder. Pas le jeu. Mais ouais, du coup, quand je suis pas connecté, les gens peuvent pas jouer. C'est un peu dommage. Incinéram Noct, incinéram. Incinéram, incinéram, incinéram. Est-ce qu'incinéram est là? Non, à mon avis, on a passé incinéram. Blazamut. Shadow Peak. Valéris aussi, et Lily, non mais ça c'est les boss. Il nous en manque encore 2 là. Il nous en manque 3. Il nous en manque 3 à trouver. Incinéram Noct. Ah non, 4 avec...
Cinéram, il est forcément quelque part. Je l'ai même pas vu, Cinéram. Ah bah si. Allez, je l'ai pas capturé. Ok. Et eh ben on va pas le faire maintenant. Je vais essayer de trouver l'autre. Ça me tente la multi, mais il faut des gens sérieux et du contenu. Ouais, bah clairement. Je me pose une question dans 10 ans, est-ce que les jeux d'aujourd'hui auront mal vieilli? J'ai un appel. Mal vieilli, ouais, bah oui, en vrai. Mais c'est ça qui va être incroyable. C'est de s'en rendre compte. Quand tu seras à un moment où tu te diras, putain, mais quand ce jeu-là est sorti, je me disais, c'est magnifique, aujourd'hui, c'est moche, quoi. Là, tu te diras, technologiquement, on est encore passé un cap, quoi. Moi, j'ai cet exemple-là avec... alors, maintenant, c'est vieux et c'est moche, hein. Mais avec Call of Duty Modern Warfare 2. Je crois que c'était le 2. Ou un moment où on escalade... Bah, c'est, je crois que c'est la première mission. On escalade une paroi de glace. Et à l'époque... Je me disais, putain, mais le jeu est incroyable graphiquement, il est extraordinaire, quoi. Aujourd'hui, tu regardes le jeu, tu dis, putain, mais c'est moche. Oh bah, c'est Astégon. Alors, Astégon 42. Il y a le boss. Ma protection est cassée. C'est un dragon. C'est quoi l'autre truc? C'est un dragon nocturne? On le tente? J'étais à San Andreas, c'est horrible maintenant. Ouais. Allez, on le tente. Ouah, bah attends, mais les attaques qu'ils ont, les gars, c'est un peu abusé. Il a fait ultra laser. Crime en cours. Bah c'est pas vrai. Ah bah j'avais pas de crime le temps que j'étais. Oh non, ils m'ont pas rééquipé. Viens, Ragnarok. Je vais te monter dessus. Ah mais attends, les dégâts que tu mets, c'est impressionnant en fait. Attends, bah... J'ai une balle fusée. Ça c'est chiant qu'ils rééquipent pas. Où est mon pistolet? Voilà. Ça va, Ragnarok? J'ai une petite balle. Des gars monstrueux, mon petit. Extraordinaire, Ragnarok. Pardon, non, c'est pas moi. Ouah. Bien joué, mon petit Ragnarok. Encore. Mais encore une petite attaque et on est pas mal. Ok, reviens. Putain, mais il est mort! Qu'est-ce qu'il veut boucher? Qu'est-ce qu'il veut boucher? Je t'envoie sous accroche. Oh! Moi, je t'envoie Hermontine. Oh. Attends, mais non, pas du tout, je t'envoie hors sec. Oh. C'était ton pote. Oui, il a fait un lance-flamme avec son sabre. Je vais pas le capturer, bah si, mais je m'attendais pas à ce qu'il meure avec une balle. Oh, attends, mais ils sont puissants les pépères. Il fallait dire qu'il allait envoyer une boule. Ah, mais c'est puissant la balle. Hein. Il y a un gars qui a sauté. Blaise, oh là, qu'est-ce qu'il fout là-haut, là-bas là? Je t'ai vu, hein. T'essaies de fuir? Tu montes la garde? Qu'est-ce que tu fais là? Est posé sur une feuille. Arbre solide. Bon, il faut qu'on se refasse un équipement de feu. Cette misère. C'est incroyable. Oh, mais j'ai même pas regardé ce qu'il faisait hors sec en coup de main. Je vais regarder, tiens.
Ça dépendra des jeux aussi. The Order 1886 est sorti en 2015. Il est encore très beau et ça fait 9 ans qu'il est sorti. Oui, non, mais bien sûr. Après, il y aura des chocs plus ou moins. 4 en électricité ? Oui. C'est le max, hein, je crois, 4. Le seum quand tu prends 3 ans à le mettre à quelques PV et que tu le tues. Bon, ça va, on a pas, ça a pas été trop long. Ragnarok, il avait été impressionnant. Allez, retour. Ah, mais du coup, j'ai pas récupéré ce qu'il avait lâché. Ah, et puis du coup, peut-être manquer de passer. C'est pas, moi, ça rend. Oh non! C'est l'heure de la vengeance. Par contre, les dégâts. Enfin, les attaques qu'ils font, les gars. Waouh! Heureusement que Bushi, il fait pas cette attaque-là dans, quand on a le boss. Hein. On n'a pas réussi. Hein, c'est... Bonsoir, bonsoir Louvé d'ailleurs, comment vas-tu? Moi, il y a vraiment la match que j'attends, c'est vraiment l'enregistrement de ton. De tes raccourcis d'équipement. Parce que les armes et tout, ça devrait être équipé automatiquement. Troisième saut sauvage. Il arrive. Pour la troisième tentative. Trois fois sur l'île, une capture. Deux morts. Faut qu'on arrive à faire trois captures. Oh non, il y a les tocards. J'ai repéré. Ouvrir. Prendre. Qu'est-ce que c'est à lâcher là? Mon pain! Je vais lâcher quoi, moi? De quoi j'ai pas besoin? J'ai pas besoin de l'armure en métal, on va la garder. J'ai pas besoin de celle-ci. Je l'abandonne. Je peux prendre mon pain. Attends, pardon. Excuse-moi, Panglope, là. Prends le pain. C'est important. Qu'est-ce que j'ai en surplus, là? J'ai 20 pierres, ça nous sert à rien. J'ai 20... un fruit du démon de glace. Iceberg! Les munitions compatibles notamment avec le lance-fusée, ok. Mange ton petit petite tartine à la confiture, c'est toujours bon. Alors, on est reparti. Qu'est-ce qu'on croise? Oh, regarde la petite galope. Fanglope qui galope. Ça va être bien à toi, chacun. Je l'aime bien, merci beaucoup. Ouah, il est majestueux, c'est un... Ah bah c'est Phaléris. Bah c'est un haut, enfin c'est un feu. Ah je le capture. Attends, attends, équipe-toi correctement. Balle de loin. Reviens. Il a lâché quelque chose. Je savais pas d'où ça venait. Comment ça se fait que j'ai une pioche? Il le tient à côté, Yarmounted! Mais quel toc! Putain, mais y'a Blazabut qui arrive! Très bon coup. Tu vois ses attaques à lui? Oh, c'est Inferno! Ah, c'est 10 niveaux dessus là. Vas-y, la boule, de, la boule d'eau, là. C'est pas si mal. Yormuntid, t'es le meilleur, mon pépé. Bon, tu crames un peu, mais... Qu'est-ce qui se passe? Oh, Yormuntid, il a pris cher. Reviens. J'envoie hors sec. Dragon tonitruant, je sais pas ce que c'est. Prennent les dégâts de Yann Verdo. Ah mais il y a ça là, qu'est-ce que c'est? Où est mon arme? Où est mon arme? Où est mon arme? Allez là. Bah ouais, bah forcément. Où est-ce qu'il est? Vas-y, Orsec, t'es le meilleur. Tu le touches, c'est bien.
Pas mal ce que tu fais, mon grand. Il est bon, on dirait un Aztèque. Un Quetzalcoatl. Un peu lent. Oh, bien joué. Envoyé sous appui mais moins de dégâts. J'ai pris un peu feu. Non, j'ai pas pris un peu feu. Allez, un point de... Ouais, d'accord, ok. Mais beaucoup moins de dégâts. C'est pas mal ce que tu fais. Allez, mon petit sous appui. Fais-le rêver. Hop. Un Valeris brûle tous les environs dans un tourbillon ardent lorsqu'il trouve un troupeau de proies. Son habitat dégage un délicieuse odeur. Un acharné estomac s'en fout. Bien. Ça fait plaisir. Livre de technique. Il y avait un autre gars qu'on avait croisé là, mais il est peut-être parti. Il y a un crime en cours, mais on n'est pas repéré en fait. Donc il n'y a pas de problème. Liline! Putain, mais tout le monde est là en fait. Tout le monde est là en fait. C'est l'île ultime. Ouais, j'ai voulu esquiver mais j'ai pas pu. J'ai froid. Oh merde, c'est pas le moment de se changer. Attends, je m'éloigne un peu et je m'échange. J'ai un peu moins froid. Lily. Pas mal. Pas mal, c'est esquivé. Après, ça, c'est des gars qu'on peut pas. Les trois qu'on va. Enfin, Liline, si on la capture, quoi. C'est bon. C'est des espèces de boss comme Grisbolt qu'on peut pas capturer quand on va les combattre. Pas mal, on est en train de lui rouler dessus. Ragnarok, il a pris un peu de dégâts, mais ça passe encore. Une dernière attaque. Il est mort. Il est pas mort. J'ai passé point de vie. Le problème c'est que mon Ragnarok est mort, on va devoir rentrer à la nage. Après. Ah, j'ai glissé, j'ai... Oui. Roi des esprits. Calme et bienveillant, un rayon solaire veille sur les petits pâles qui ont perdu leurs parents. Toute son énergie passe dans leur éducation. Je vais manger. Ah ouais, du coup, on n'a pas de monture. Hein. Ah! Ça, c'est un peu dommage. Bon, ouais, comment on rentre? T'as pas de ultra sphère? Non, pas encore. Je pouvais pas encore les faire. Bon, alors du coup, il faut qu'on rentre, mais faudrait presque qu'on meure, en fait. Le mieux, ce serait de mourir. Parce que là, pour rentrer, c'est un peu la misère. Hein. De toute façon, on va se noyer, alors c'est un peu chiant.
À la nage avec Hermontine, je peux pas monter dessus encore, c'est level 39. Ouah. C'est level 39 pour que puisse faire son... sa tenue. Face à la selle. On peut respirer ? Ça vous fatigue ça ? Ça descend un peu. Hein. Le problème c'est que j'ai peur que si j'avance comme ça et que je meurs noyé, bah du coup notre sac il soit de là où on est parti et pas à la terre la plus proche. Tu as de quoi faire un lit sur toi ? Non. Ça n'enlèvera pas le souci de toute façon de ma monture qui est décédée. Le plus proche, c'est là-bas. Allez, c'est parti. Wouhou. On verra si on a assez. Sinon, bah de toute façon, il faut qu'on meure. J'avais pas pensé au retour. Oui, on dérpète. Bon, ça devrait passer. On est à moins de la moitié de les. Enfin, à plus de la moitié de notre endurance et on a fait la moitié du trajet. Ça passe. Michael Phelps. Le risque, c'est de mourir de froid. Non, on a l'armure. Tout va bien. Les dunes arides. Parfait. Ah. Et c'est pas. Ah. Pas grave. Par là. Ok. Alors du coup, on va aller voir à la base. C'est la guerre, les gars. John Rambo. Ils s'attaquent entre eux. Oh, il y a eu une galère. De coucher avec ma femme. Bah non, mais pas moi. Mais attendez, les gars, je fais qu'observer, hein. J'ai un peu chaud en plus. Ah, mais toutes les armures sont cassées là. C'est bien de pouvoir équiper une armure cassée quand même. La lanterne qui brûle dans l'eau, pas mal. C'est une lanterne de feu d'eau. C'est les lanternes comme dans Pirates des Caraïbes. Lanterne de squelette. D'homme poisson. Salut mon petit Dictoise, comment vas-tu ? Ah, alors c'est ça que j'allais dire. Là on rentre, on va regarder. Du coup j'ai capturé Liline et... je sais plus l'autre. On va regarder ce qu'ils font. Et on voit que les level combat level 40, c'est faisable. En eau trouble les lanternes carnivores. Ok. Alors. Ah, il faut que je ramène l'autre parce qu'il est parti se promener là-bas au bout. Relaxorus, c'est pas le mien ça. C'est pas le mien là. On a un bon chéri qui est parti se promener, on le ramène. Et lui qui est parti se promener, on le ramène. Ah, mais attends, on va regarder du coup. Qu'est-ce que c'est ? Ah, mais c'est vrai ! Phaléris, acharné. Il est allumage 3 et transport 3. Ok, pas mal. On pourra monter dessus, faudra voir. Et Liline, roi des esprits. Les dégâts de type plante augmentés de 20%. On restaure beaucoup de PV aux joueurs grâce au pouvoir curatif de l'arène lorsqu'il est appelé. Ok.
Semence 4, coup de main 3, pharmacie 3, collecte 2. Lily n'est pas dégueu. On n'a pas de plante en plus, c'est vrai qu'elle peut faire partie de l'effectif. Phalaris, il est sympa. 94, 465. Phalaris, il est sympa, mais... Ragnarok, il est beau. Je soigne Ragnarok. Attendez, je vais mettre un Ragnarok. On va refaire la même truc. Écoute-moi, les gars. Merci, camarade. PV régénère pas plus vite comme ça, par contre il devrait régénérer plus vite dans la boîte. Ça régénère plus vite. Répare les armures. On va réparer les armures et il faut qu'on... En vrai il faudrait qu'on déménage. Gâteau. En vrai il faudrait qu'on déménage parce que... Enfin, pas nous, mais la base pour farmer le métal, parce que là, on a plus de métal ensemble. Et ça, c'est pas bien. Ouais. Il nous faut les armures. Enfin, du métal. Je vais me faire une boîte, un carton. Là. Un coffre. Bois et pierre, j'en ai sur moi. Bois, pierre. J'ai assez de bois. Assez de bois, Lilo. On peut voir combien de max de camps. Apparemment, au moins 4. Apparemment. Mais là, il faut que je passe level 39 pour pouvoir passer au niveau suivant. Il y a Reinhood qui est coincé là. Il regarde le dehors. C'est dire, dis donc. Bien sympa ce petit coin. Je vais ranger ça. Ça va, Reinhood là? Qu'est-ce qui t'arrive toi? Ça nuire le combat? Les humains se faire exterminer par des petits tanzis? Bon, Relaxorus il regarde la porte, il est heureux. Et... le laisser, ça me pose pas de problème. Le temps qu'il est pas gênant, c'est pas gênant. Est-ce que c'est lui? Merci beaucoup, Auroy, bienvenue à toi. Et comment ça va? Bah écoute, je vais bien, j'espère que tu vas bien aussi. On va regarder les œufs. Oh, c'est des œufs tout simples, hein, donc ça va pas être fou. Lispunk. Lispunk. Kepsi. Kepsi encore. Oh, on passe level 38. Pas mal. On va regarder ce qu'on a débloqué. De... Gros œuf chaud bouché. Oh, ce serait énorme. Oh, Ragnarok. Coursier. Il est mieux que le mien. Ouais, mais c'est vrai qu'on avait fait des repos. Coursier, c'est mieux que le mien, non? Coursier, ça augmente la vitesse de déplacement.
pas mal, hein. Vitesse de déplacement à 20%. Je pense qu'on va l'échanger. Parce que celui que j'ai, il est sympa, mais... c'est juste un nutritionniste, quoi. Là, au moins, on va voler encore plus vite. J'ai un projet de tournoi PvP-PvE sur Palworld et les démarches des streamers pour le lancer. Me permets-tu de t'en parler via Discord? Il n'y a pas encore le PvP-PvE. Si. Après, si tu veux m'en parler, je préférerais par mail. Parce que Discord, j'y vais à peu près une fois dans l'année. Ou je vais pas voir. Mail royalvikingpro@gmail.com. Il y a des modes pour le PvP. Ah, mais moi je joue sur Game Pass. Fais de repro avec tes pales avec compétences jaunes pour petit. Ah, ça marche. Ça marche, ça marche. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'allais faire? Bon, là, on est prêt du coup. Ah, mais c'est mon niveau. Pourquoi j'ai vitesse de travail repu moins 20%? Ah, parce que j'ai faim. Partie de partie. Merci bien et bon jeu à toi. Eh bien, bon courage à toi pour ton organisation. Ouais, ça peut être stylé. Clairement. Clairement, clairement. Qu'est-ce qu'on a? C'est pas vrai. Un réfrigérateur? Oh! Mais c'est le porphyris. Lingot de métal raffiné, il nous en faut 30. On n'en a pas. Ah, ok, c'est bon. Ça va motiver. On va déménager. Je vais vérifier ici qu'on n'ait pas un peu de charbon dans le coffre. Parfait. Vous êtes en train de farmer les gars? Je vais vous filer un petit coup de main. Ça vous embête? Qui c'est qui farme le mieux? C'est ma Brest, hein, de toute façon. Ah non, Reptiro. Reptiro, on peut monter dessus. Ah ben oui, c'est ça que j'avais fait. C'est pour ça qu'il était là. Et Reptiro. Tac, tac, on monte dessus. Où est le charbon? Ça va? Ah bah t'as réussi à grimper toi? T'es un peu coincé en redescendant mais oh, ils ont fini de se fermer en fait. C'est dans le boulot. Parfait les gars, vous avez fait un travail monumental. Tant que faire descendre. J'arrive pas à descendre. I can't descend to the night. Ok. Reviens toi. Je vais ranger tous les pépères. Histoire de savoir que c'est eux que je garde. Hop. Je récupère ça. Et on va se TP. On se TP où? On se TP à la base. Pour commencer. Boum. On chat. Il y a le charbon, il y a la métaux. Ok, c'est pas mal. On va sur la map. On détruit le camp. On se met la petite tenue qui vous tient chaud. Et on se TP. Pardon, il nous faut du métal. J'étais parti chercher du quartz. TP. J'avais pas besoin de l'armure du coup, c'est pas grave. Ça fait quoi si on met deux pales de même type dans l'accouplement, par exemple dragon? Je sais pas. Je peux pas te dire. Alors, tac. Pale. Boîte à pale. Merci mon petit bébé. En avant les gars. On retourne bosser. Vous vous souvenez de la région? Moi je m'en souviens.
fais un petit coup de main. Ça farm vite là. J'ai l'impression que ça farm. J'ai l'impression que ça farm plus vite quand même avec avec ma voix. Si je peux me permettre. Faudrait que je leur fabrique leur truc pour se reposer. J'ai pas ce qu'il faut. Ainsi. Ah, c'est un excellent travail ça, merci beaucoup Eka. Ouais, déjà un peu là. Je vous laisse bosser. Ciment, et c'était quoi qu'il fallait? C'était ciment. Peut-être palladium, mais si. Peut-être palladium, on doit en avoir full là quelque part. Ah bah si, on en a. On a là. Je suis attaqué par des tocards. Ça. Alors, les tocards. Les tocards. On va prendre notre petit Ragnarok, ça va le faire XP. On va envoyer Orsec. On va voir un peu ce dont il est capable. On a Suzaku qui doit être coincé parce qu'il n'attaque pas. Je vais mon petit Suzaku, Orsec, pardon. Viens là. Bah attaque Orsec, non. What? Mais c'était quoi ce dégât? Du temps à attaquer les pales. Ouais, mais grave. Je sais pas à quoi c'est dû. Je sais pas si. Du coup, il doit être coincé là où il peut pas voler. Donc. Une blessure légère pour bon chéri. Qui a pris des dégâts sur l'explosion. Et sous d'un coup, il faut qu'on te bug. Faut qu'on lance notre minerai de métal. Alors, il me faut du métal simple. Je vais en faire genre 30. Et le reste, on le fait en raffiné. Après ça, ça va faire ça. On va pouvoir réparer notre équipement. Ragnarok, si tu veux faire ton raffinage, ça me va très bien, mais il faut y aller. Ok. Du coup, en accouplement, on fait quoi là? Quelqu'un a une envie de quelque chose? Parce qu'on a 11 gâteaux, donc on peut faire 10 et ce... enfin, le 10 captures d'un coup. Quivern hors sec, le truc c'est que j'ai envie de garder hors sec. Oh la vache, j'ai une douleur dans le genou. Oh putain, je suis assis, comment ça se fait? Oh, je me suis fait une torsion du genou en étant assis. Ah! Ah! Putain, j'ai trop mal. Ah!
Ça va aller. On a un bonhomme. Ah la vache, ça va aller. Peur du jeu. Ça va. On verra quand je vais m'enlever. Je sais pas si je vais réussir à me lever. Putain, je vais boiter. Je me suis fait une torsion. T'es un viking, c'est vrai. On a pas mal. Sérieux et acharné, Leaf Mug. Incroyable, lui, en vrai. Thèse de travail. Dommage que tu ne serves à rien. Du coup, on se fait quoi en reprol? D'accord, c'est qu'il est pas mal. Après, on peut se faire un Lilin. Attends, va. Je voulais tester son. J'ai envie de tester Lilin et Faleri. Faleris. On va tester Lilin et Faleris. J'ai pas vu les. Les mages en cours. C'est très gentil d'allumer, mais. J'ai pas regardé les sexes. Hein. Je sais pas si c'est. C'est où? C'est une femelle. Ok. J'espère que Lilin est mal. Lilin est femelle. Ah! Tu veux te reproduire avec Reptiro? Avec Penking? Oh, Penking, il reproduit avec tout le monde. Hein. Allez. Penking, viens là! Penking, c'est le donjon. Peut-être tester de mettre deux pales dragon. Ouais, on verra plus tard. Mettre deux. Deux pales dragon, en vrai, j'ai envie de garder. J'ai envie de garder hors sec. Meilleur mountain, après, je sais pas ce que j'ai. Bon, ça fera 11 œufs, hein, c'est pas grave. J'espère que ça va être sympa. Mais enfin, même si ça va pas être épique, au moins une espèce qu'on n'a pas déjà capturée. Ok, ça c'est pas mal. J'espère que c'est pas trop douloureux. Bah, je verrai en me levant, en vrai. Okay. En vrai, tu sais, je suis allé faire des courses samedi. Et je me suis tordu le genou. En poussant le caddie. Je me suis fait une légère torsion. Après, c'est passé, mais je suis en train de me dire, à mon avis, c'est la même chose. Ouais, on est efficace. Hein. Réparation de l'armure ici. Alors, pas en fourrure, hein, ça nous sert à rien. Celle-là. Bon, après, en fourrure, on peut aussi. Giga bouclier. Ouais, on peut le faire. Je vais ranger l'armure en fourrure qui me sert à rien ici. Ah, putain. Là, je vais aller les ranger de l'autre côté. Aïe, ouais. Ouais, je vais faire. T'as de quoi te soulager, mais toxine, c'est ça. Je suis un bonhomme. Je vais pleurer et puis c'est tout. Une petite larme, ça fait de mal à personne. Ok, pas mal. Sauf que Penking est allé au repos. Ouais, ouais, c'est sûr. Il était parti manger. Il était parti manger. Gros œuf chaud. Ah, mais ça va être Ragnarok. Ouais, c'est la suite de Ragnarok. On va voir si on a un bon Ragnarok qui sort. Ah, Ragnarok, on avait fini. Normalement, logiquement, Yormountain plus pas le feu, Yormountain Ignis. Bah, il faudrait un qui. Je sais pas comment ça marche exactement. Je sais pas si avec un feu ça marche ou alors il faut un feu spécial, genre au moins assez puissant. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on allait faire là? Ah, ouais, attendez, du coup, on est. Pas mal en fait. Technologie, c'était quoi? Ah, mais la selle. Lingot de métal raffiné pour Faleris. Il en faut 30. Oh bah parfait. Bah allez-y. On fait la selle de Faleris, comme ça on va tester. On va tester. Ah bah il y a du ciment. Je vais en prendre un peu, on va aller fabriquer de quoi se reposer pour les cas. Ils vont rester à farmer le métal.
Pour l'instant, on n'a pas besoin de quartz et on n'a pas besoin de... de charbon, on a du stock. Juste leur faire... leur petite source d'eau. Pour qu'ils se reposent. Parfait, n'hésitez pas à vous reposer les gars. J'en profite pour ramasser un peu ce que vous avez fermé. Pas trop le bois, ça me sert à rien. Ok. Merci beaucoup les gars. C'est un plaisir. On range les 50 ici. Ils ferment bien, ouais ouais. Ils sont gigantesques. C'est trop. 12 sur 13, on va attendre les 13 sur 13, comme ça on va relancer du métal raffiné. Et le charbon, il nous en, on en a plus que 50. Ok, ça c'est fait. Ensuite, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser ça. Non, il y en a plus. Éclat de palladium, on va ranger. Le reste on peut garder, c'est pas très grave. Ici, on va pouvoir faire un peu de... On n'a pas beaucoup de farine en vrai. Hein. Je sais pas comment ça se fait. Attends, mais mon champ de farine a été détruit en fait. Attendez là. Mon champ de farine, mon champ de blé, il a été détruit. Ah ouais, il a pété en fait. Allez, bouge! Allez, parfait! Peut-être pour ça en fait qu'on s'en sort pas. Vous avez détruit mon champ de blé? Je dois avoir... j'avais mis un champ de blé là. Même pas le mange la farine aussi. Ah! J'ai mis des champs de blé. Arrosage et tout. Alors attendez, on va regarder ici. Ah bah blé, j'en ai plein. Je vais prendre un peu de champignons aussi. Des œufs. Ah ouais d'accord. Mange le blé. Ça peut effectivement jouer. Ok ça c'est bon. Ah il y a un premier œuf. Ah c'est un œuf de glace entre Phaléris et Ah bon. Presque déçu. Si c'est pas un énorme on annule. C'est un gros. Ouais on annule. On annule la reprendre les deux. Je vais récupérer Phaléris, de toute façon on va faire sa selle. C'est quoi, c'est un mal? Je vais te mettre... code. Bon bah ça l'a épuisé, disons. Oh bah. Tout le monde tombe... Ciao. Bon c'est pas l'endroit idéal pour les œufs de glace mais enfin, c'est très confortable. Malgré la chaleur. Oh ouais d'accord, ça dort comme ça quoi. La selle. La selle de Phaléris. Et ben on est parti. On va pouvoir tester un petit peu sa puissance. Son efficacité en vol. Les pales sont des monstres de puissance. À la place, tester avec un gâteau de pales de.
On fera vendredi, parce qu'en fait, là, j'ai pas beaucoup de temps. Et j'ai pas envie de prendre le temps de tester ça. Pas Valéris, c'est moi. On va tester l'envol de Faleris. On va faire une comparaison. Ragnarok coursier. Oh, la vitesse! C'est incroyable en vrai. Oh mais là le déplacement est trop extraordinaire. Ok, Ragnarok coursier, on valide. Faleris. C'est quasi aussi rapide alors que c'est pas un coursier. C'est pas un coursier. C'est un acharné. Ça. Et c'est pas dégueu. On va tester elle flamboyante là sur le Dire Wolf. C'est une attaque dans l'autre sens. Souffle enflammé, c'est il crache du feu quoi. Ok, Inferno, c'est Inferno. Ça, et il est pas mal. Après, pour le coup, mon Ragnarok vole vite. Donc, je vais garder mon petit Ragnarok, je l'aime bien. Par contre, un Faleris. C'est étonnant ce système de Mamores qui pop sur la base et qui se battent comme ça. Il va m'attaquer! What? Mais qu'est-ce que c'est ça? Qui c'est qui était aussi agressif? Raté. Bah non mais les gars, attaquez l'autre. Bon, j'ouvre la porte. Faites ce que vous voulez. Il marche sur mon silo, il va me péter mon silo. Canon air pour l'instant c'est assez faible. Faut qu'il XP. Il est mort déjà l'autre là. Oh le freeze. Oh ça faisait longtemps. On va aller faire un boss, ouais c'est ce qu'on va aller faire. Faut capturer Shadow Peak. Bah il était plus là donc oh, y a un freeze. Y a un petit freeze. C'est le deuxième. Dumbo me reste. Alors on peut revenir ou on a pas le droit? Et ben c'est la fin. Je peux même pas faire échappe. Va falloir faire Alt F4 et ça. Ah ça y est! Putain mais il va me détruire méchant espèce de fils de chacal, exterminez-le! Voilà, on jongle avec son corps. Encore un freeze, bon les gars. Il y a encore un danger là? Oh, tout le monde est mort. Bah, hey, beau boulot. Beau boulot. On a perdu des champs, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. C'est les risques du métier. Perdu mes deux champs de blé. Oh, mais Suzaku est KO. C'est fait. Quoi te le dire. Champ de B. Va transporter sous à coup les gars. Ah oui, il dort. Non, il dort pas. Il n'est pas KO, il dort. J'ai dit qu'il était faible alors qu'il a rien fait. C'est trop bien pour nous, il coupe. Ouais. Ah, message d'erreur, très bien. On
On est level 38, ça veut dire que mercredi on sera level 39 très probablement. Et donc on pourra monter sur Yormunted. Et ça, ça fait plaisir. On va aller faire un petit boss. Dépêchez-vous d'aller dormir. Ah oh, bah eux, ils sont pas embêtés. On a dormi directement là. Alors petit boss. Dans le sud, qu'est-ce qu'on a pas fait? 49 c'est un peu élevé. Hein. 48 c'est un peu élevé. 50 c'est un peu élevé. Après il y a tout ça là à visiter aussi. On a attaqué là, qu'est-ce que... pourquoi vous vous motivez? Ah Valet, bah c'est parfait, on va aller faire Valet. J'ai un petit creux. Pourquoi? Parce que c'est plante et on a feu. Tu peux te prendre de m'avoir si tu le mérites. Aussi, tu... Par contre la tartine de confiture elle est extrêmement efficace. Et on a Phalaris aussi pour le combat contre Bailey. On va essayer de la capturer. Même si je crois qu'on l'a mais on n'a pas la version boss quoi. Level 38, c'est notre niveau. Mercredi à live ouais. Je vais envoyer Phalaris 38. Yeah. Une petite balle. Ça touche? Ça touche et ça brûle. Ah, ah, ah. Hop là! Hop là! Hop là! Mon petit fusil! 2300 points de dégâts, vie! Valérie s'est pété. Hein. On va y avoir sec un peu. T'es un joueur sec, t'es le meilleur! T'es à côté. Oh, pas mal! Pas mal! J'ai envoyé des gigasphères. J'ai reperdu mes. J'ai rerangé mes sphères de palme bleue. C'est stylé en vrai. Il faut trop une arène où tu restes à regarder. Et tu les vois se battre l'un contre l'autre. Limite presque tu peux leur crier leurs attaques. Bon, après on est vraiment dans... Tu vois si on voit rien. Hein. Faut qu'ils se fassent un petit peu les pieds. Moi je suis bientôt mort. Faut que je fasse gaffe. Ça va? Mais Ragnarok t'es où là? T'es rangé? I'm sorry. Oh, 28 points de vie et je suis Ragnar qui va décéder. Enfin, je suis mort. Il m'a... Putain, mais ça dure tellement longtemps le ligotage, là. Salut Anderpet, bonne soirée à toi. Non, c'est pas... C'est Rex. Bonne soirée à toi. Bon, ça va, c'est pas gênant, on est juste à côté, on peut y retourner dans la foulée. Tac. Nage rapide. Hop. Hop. On s'en occupe vite fait. J'ai des... mon plein air. Il est sur mon cadavre. Rééquipe. Et on y retourne. On va garder Phalaris. Phalaris, pardon. Yeah. Allez, let's go! J'ai tiré à côté. Encore? C'est pas moi. Putain, oh, ça l'a stoppé net! Oh, c'est trop bien joué. Ça l'a touché, bien joué. Vas-y, mon petit Phalaris, fais-toi plaisir, regardez, il me poursuit! Raté. Prévois un peu le mouvement, ça nous arrangerait. Il veut nous attaquer, il veut nous becter. Bien joué ça. Je
Par contre, pour l'instant, tu vois, j'ai pas encore Yair Mountain, mais en plante. En haut, pardon. Faleri, c'est encore un haut, enfin un feu stylé. Il y en a tellement déjà. Encore les dégâts. On veut y aller encore. Un petit coup, mon petit Faleris. Fais-toi plaisir, Faleris. Oh, je tire au-dessus, c'est parfait. Encore. Je commence à avoir un petit peu peur. Stop. On va y Ragnarok. Sous-à-coup-à-quoi, ouais, c'est vrai qu'il y a sous-à-coup-à-quoi, mais... C'est volant. Bien joué, Ragnarok, t'es le meilleur. Oh, point de dégâts. Bien qu'il soit 18 niveaux en dessous, mais... Les dégâts sont inexistants du Ragnarok, par contre. Un point, quoi. Vas-y, reviens. Non ! On va commencer à faire comme ça. Ça va pas recharger. Mais recharge. C'est 13. Bon, je pense qu'on peut remettre une balle après. Hop. Parfait. Nutritionniste n'est pas dur, le Vaillé. Level 38. Le boss est vaincu. Et du coup, notre Ragnarok passe level 26 là-dessus. Tornade de sable à prise. Pas mal. Très très bien. Merci beaucoup pour les applaudissements. En vrai, pour XP, c'est faire XP les faire XP ces espèces que t'as envie d'utiliser. Les combats de boss, c'est trop bien. Ça donne trop d'XP, quoi. Bon, un petit level 38 effectué. Vaincu, merci pour le GG. Merci beaucoup. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La suite, ce sera mercredi avec du coup. Je sais plus ce qu'on s'était dit de faire. Je sais pas qu'il se balade comme ça tranquille, pépère. Mais on s'était dit de faire quelque chose et on le fera. Ah bah attends, bah, je peux remplacer mon Vaillé par un Vaillé. Sprinter, il est sympa, mais c'est pas bon. Et maintenant, on a celui-là. Il est où? Il est où? Est-il là? Où est-il là? Plus gros, plus impressionnant. Et du coup, ouais, mercredi, je pense que on y explorera officiellement toute cette zone-là. Pour découvrir les derniers boss, j'aurais bien la curiosité de retourner sur l'île qui est là. J'aurais bien la curiosité d'aller chercher Yair Mountain et Ignis aussi, qui est stylé. Et puis après, bah, on verra. Passer une fois qu'on sera level 39. Technologie. Une fois qu'on sera level 39. Ah, mais je dois avoir une technologie. Ah, mais lance capsule. Okay. Une fois qu'on sera level 39, on aura ça, on aura le coffre en métal. Nous permettra d'améliorer encore un coup le camp. Et après, il faudra voir de quoi on a besoin pour améliorer le camp au niveau suivant. Voilà, voilà. La suite, ça sera donc mercredi. Avec. Oh, c'est un œuf moisi. Gros œuf chaud.
T'as un œuf moisi, on va stopper leur reproduction. Bon, on verra ça mercredi. Bisous à vous, merci d'avoir été là, je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous du coup mercredi pour la suite de cette aventure, ce jeu est vraiment trop bien. Et on commence à avoir une puissance intéressante. Hâte d'être à un niveau genre 45 pour aller faire des boss, les boss les plus costauds. Bisous à vous, bonne soirée. Salut tout le monde, merci encore. Et rendez-vous mercredi soir, 19h pour la suite.